quand vous avez ce problème-là, ne vous laissez pas faire. Il faut savoir que c'est puni par la loi. Hello, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais faire une petite mise au point, vite fait. Je ne blesse pas, c'est pas un problème. Mais qu'on m'insulte très gravement, là c'est un problème. Je ne savais pas, mais j'ai reçu des insultes extrêmement d'une puissante, violente, une personne apparemment qui n'est pas tout à fait nette, que ça me saoule, franchement, c'est bête quoi, c'est bête, on arrive à Noël, les gens sont si bêtes, si ignobles, si... Regardez, la vie est belle. Hein, mon bébé, la vie est belle. On s'en fout de ces personnes hein, qui ont écrit des mauvaises choses. Hein. Je m'en fous complètement. Le pire, c'est que je m'en fous royalement. Mais je m'en fous royalement. Mais je pense que c'est une question de principe. On ne peut pas laisser des choses comme ça. Que j'ai des rides, hein. Oui, j'ai des rides. Et alors? Là, j'ai un problème. C'est un problème de peau. C'est pas un problème de rides. C'est un problème de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un problème. Ça s'est creusé là. Je ne sais pas pourquoi. Et ça fait des boutons. Je ne sais pas. Voilà. Mais je peux dire que je suis complexée de ça. Oui, oui, je suis complexée de ça. Voilà, je suis complexée parce que l'autre, il n'y a rien. Et là, je sais pas. C'est pas grave. Sinon, oui, j'ai des rides. Je m'en fous d'avoir des rides. Vous savez, les rides, c'est l'expression de la vie, c'est l'expression de la jeunesse, c'est l'expérience qu'on a eue dans sa vie. J'ai 62 ans, j'ai plus 20 ans ni 40 ans, hein, j'ai 62 ans. Donc, je trouve ça lamentable de critiquer comme ça. Oui, là, je vais faire mes couleurs, ma couleur, je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, ce n'était pas pour ça que je venais, c'était pour vous montrer mes courses. La belle vie. J'ai acheté ceci pour ma fille. J'ai payé ça 1,80€. C'est des terrines pour chat, mais c'est pas de la mousse, c'est en terrine. J'ai repris du Nulodor à 5,65€. Ça, c'est top de chez top. Hein. Si vous voulez vraiment une litière super, vous la changez. Même, normalement, ils disent une fois par mois, mais non, je la change pas une fois par mois. Par contre, elle a un trou. Elle a un trou. Ah, oh, ben ça, c'est moi. Quand je vous dis, je vous l'avais dit l'autre fois, quand il y a un truc, c'est pour moi. Voilà, il y a un trou. Il est où? C'est pas grave, hein. Je vais l'utiliser. Voilà, il y a un trou. Donc, c'est pas grave. Ma table, je vais la nettoyer. C'est pas grave du tout, c'est des cristaux. Hein. J'ai repris ceci, je ne sais pas si vous le connaissez. Petit Marseillais à la pêche et sanguine, je crois. Pêche blanche et nectarine. C'est trop bon. Ivy, elle veut aller dans la salle de bain. Elle veut aller boire. Alors là, je comprends pas, j'en avais commandé qu'une, j'en ai eu trois. Ce sont des cuillères aux amandes, à l'amande. Cuillères à croquer à l'amande. Et j'en ai commandé qu'une et j'en ai eu trois. C'est pas grave. Hein. Ceci, c'est pour moi un midi, si je veux manger. J'aime pas trop les raviolis, mais là, c'est des raviolis bio, céréales, au fromage. Ben, je me dis, je vais goûter, on verra bien. Voilà, c'est pour garder aussi. Ça, j'en ai plus, mais je vais vous en parler. Ce sont des gerblés moelleux pommes saveur framboise. Moelleux, c'est une dinguerie. Mais je vous le conseille à 1000%. C'est une dinguerie de chez Gerblés. J'ai oublié d'en commander. J'en ai plus. J'en mange tout le temps. Ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, mes nouveaux abonnés, eh bien, je vais vous dire, voilà, je suis une dingue de pick-ups chocolat noir. Mais une dingue. J'en ai un paquet, deux paquets, trois paquets. Tous les soirs, je mange ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris surtout des produits ménagers un peu. Ensuite, j'ai pris un... j'ai pris ça, ça coûte 15,60€. Donc, j'en ai pris un, j'en ai pris deux. Là, c'est des fleurs. Là, c'est comme les Kleenex. Hein. Là, c'est, bah, je sais pas, et puis voilà. En fait, c'est aléatoire, hein, les paquets. Hein. Voilà, donc j'en ai pris trois paquets. J'ai pris de l'acide chlorhydrique. Bah, je m'en sers rarement parce que c'est pas très bon. Mais une fois par an, je m'en sers pour mes toilettes. Voilà. Franchement, très bien. J'ai pris du vinaigre blanc pour nettoyer. Tout simplement. 60 centimes, hein, franchement. Je vous dis pas les prix parce que vous connaissez à peu près les prix à chaque fois. 60 centimes, du vinaigre blanc pour nettoyer. Et en même temps, on peut même l'utiliser, quoi. Faire des cornichons, je me rappelle, il y en a qui faisaient des cornichons avec. Et là, j'ai pris de la sauce Biggie. J'adore la sauce burger. J'espère... Il y a quelqu'un qui crie, là. J'espère que c'est la sauce burger, la sauce Biggie. Et du coca.
C'est qui là? Je sais pas qui c'est. Je le connais pas lui. Oh, mais je vais pas le défaire. Hein. Attendez, qui c'est? Je sais pas. Voilà. Et là, j'ai pris du coca et de la ciboulette. Et j'ai pris un petit jeu pour ma fille. De la ciboulette. Ça, j'en mets dans tout. Hein. J'en mets dans tout, dans tout. Voilà. Et par contre, je dois commander. Je suis bête. Ben ouais, je devais commander à Flink. Et j'ai pris un petit jouet déjà pour ma puce, 2,45. J'ai pris un petit jouet comme ça pour Noël, parce que je vais lui acheter d'autres choses. Mais elle est tellement compliquée que voilà. Bon, eh bien, sur ce, ma vidéo est terminée. Vous voyez, le vlogmas, franchement, hein, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Des insultes, vous voulez que je vous lise l'insulte? J'ai eu. Alors, en fait, il faut savoir, je vais vous dire une chose. Quand vous avez ce problème-là, ne vous laissez pas faire. Il faut savoir que c'est puni par la loi. D'accord? Alors, même s'il n'y a pas d'insulte, mais que c'est. Comment dire? Même s'il n'y a pas d'insulte, mais là, en l'occurrence, il y a des insultes. Mais même s'il n'y a pas d'insulte, proprement dit, et qu'on appelle à la haine et qu'on attise la haine, c'est la même chose. Voilà. Ils le prennent en compte, c'est exactement la même chose. L'homme est si peu de considération pour toi. À ton âge, avec tes longs cheveux très moches, oui, c'est vrai qu'ils sont moches. Et ton maquillage, le maquillage, je ne me maquille pas vraiment. Hein. Tu ressembles à une vieille pute. Je sais pas, mais je ressemble à une vieille pute, c'est grave quand même. Et dans tes vidéos, tu ressembles à une ninipapate. Alors, faut savoir, ninipate en l'air. Alors, faut savoir que cette personne a le même, pas le même mail, mais a la même, c'est la même boîte. Voilà, c'est la même boîte. Il faut savoir que l'IP, on peut le retrouver très facilement, les personnes, et notamment peut-être même celle-là, là. Normal qu'il essaie une pute sans payer. Et dans tes vidéos, tu ressembles à une ninipate en l'air. Mais je vous dis, je vis bien maintenant, voilà, je suis bien suivie, il n'y a pas de problème. Bah, sur ce, ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je m'assume telle que je suis. Si je suis moche, si je suis ridée, si je suis laide, j'en ai rien à faire. Je suis très heureuse d'être comme ça à 62 ans. J'estime que j'ai de la chance. Et quand bien même que je sois ridée ou que je sois, on ne se moque pas du physique. On ne se moque pas du physique. Jamais. Au grand jamais, on se moque du physique. On attise la haine. Et mes cheveux, je m'en fous. J'ai des cheveux qui sont pas beaux. On va savoir qui est derrière tout ça. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Et du coup, je vais changer tout de suite le sable à Ivy. Parce que bah, comme il est percé, ouais, il est percé. Donc je vais tout de suite lui changer. Voilà. Je ne vais pas faire d'histoire. C'est pas grave, hein, ça peut arriver. Hein. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai pris les petits cristaux. Je vous embrasse, passez des bonnes fêtes et puis je vous dis à demain ou pas. Normalement, oui. Allez, je vous embrasse.